Dans les revues télé, il y a des pépites à conserver absolument. Ce sont les commentaires, on ne peut pas dire qu'il s'agit de critiques, ce sont les commentaires de certaines émissions ou de certains films. Alors là, j'en ai trouvé un d'excellent, l'invité Thierry Lhermitte, Valérie Lemercier, Daniel Auteuil, une comédie peu originale, les gags tombent à plat, décevant. Eh bien, celui qui a rédigé cet avis, il n'a pas dû faire l'école de lumière, parce que la lumière, elle n'a pas dû lui arriver encore dans les neurones, le pauvre mec. Bon, c'est pas un vieux qui a fait l'IDEC dans les années 60, hein. Il aurait dit quelque chose de plus intelligent que ça. Alors, ça, c'en est une, mais la meilleure de toutes, elle est parue dans Télérama. Et dans Télérama, là, au moins, les critiques sont nominatives, c'est-à-dire qu'on sait à qui qu'on peut causer. Ok. Alors, dans Télérama, dans un vieux Télérama, la critique portait sur Alceste à bicyclette, avec Lucchini et Wilson. Oh là là, c'était du même type que ça, c'était même pas décevant, c'était à éviter. Et je me suis dit quand même, un film avec Lucchini, qui a tourné avec Éric Rohmer, ça doit pas être si mauvais que ça. Alors je l'ai regardé, et eh bien je me suis régalé. Alceste à bicyclette, un grand plaisir. Et quand il est repassé, je l'ai regardé une deuxième fois. Et l'invité, eh bien je trouve que c'est du même niveau que le dîner de cons. Le texte est remarquable, les dialogues sont remarquables, c'est amusant, c'est drôle. On a trois bons comédiens, hein, le Mercier, l'Hermite, Auteuil. C'est amusant, on passe une bonne soirée, généralement avec des programmes de merde, hein, qui sont presque là tous les soirs. Il est rare de trouver de très bonnes choses bien intéressantes. Je vous fais pas le tour de la journée du vendredi 22 juillet. Hein. Il y avait que ça à regarder, je crois. C'est tout. Voilà. Et regardez l'invité. Hein. Ben, si vous n'aimez pas, tant pis. Mais n'en dégoûtez pas les autres. Merci.